ma travaille, ferme la porte. Ferme la porte. Pas travail. Ferme la Paris avec New Descal. Paris, New Descal. Oui. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour à toutes celles et... Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent actuellement, et que ce soit sur les pages de Haïti Climat et de Acled, mais aussi sur celles de tous nos partenaires. Et on remercie chaleureusement Bange qui assure la diffusion, l'enregistrement de cette causerie. Il y a nos partenaires comme le Fonds haïtien pour la biodiversité et Fondation Connaissance et Liberté Focale et Panos Caraïbes et le groupe Novéliste à travers Magic 9, Ticket Magazine, Le Novéliste, qui eux aussi diffusent cette causerie et qui nous supportent tout le temps. Donc, on dit merci à tout ce beau monde. Alors, mon nom, c'est Valérie Fizemé, cofondateur de Haïti Climat. C'est un plaisir de vous avoir avec vous. Ensemble, on va passer deux bonnes heures pour vous présenter d'abord le deuxième numéro de Urgence Magazine, mais également pour avoir cette causerie très enrichissante à venir, très instructive, on le sait, on l'espère, avec Madame Michèle Duvivier-Pierre-Louis autour du thème développement économique, quels sont les enjeux environnementaux et sociaux pour Haïti. Mais juste avant d'avancer dans la programmation du jour, j'invite nos deux modérateurs, New Descal Saint-Fleur, Dr. New Descal Saint-Fleur et Jean-Farès Jérôme, à se présenter rapidement. Après, je passe la parole au coordinateur d'Acled pour les propos de circonstance. OK. Je m'appelle New Descal Saint-Fleur. Je suis docteur en géophysique et je suis professeur à la faculté des sciences. Je présente la chronique gestion des risques et des désastres dans le quotidien du Novéliste. Et puis je collabore dès le début avec Haïti Climat. Merci. Merci Léo Descal, bienvenue, merci d'être avec nous. Jean-Farès Jérôme, qui est l'autre modérateur du jour, et merci de vous présenter au grand public. Bonjour et à tous et à toutes. Je suis Farès Jérôme. Je suis Farès Jérôme, journaliste au Novéliste. Et c'est un plaisir pour moi d'être co-animateur de cette activité ce matin. Je suis journaliste au Novéliste, responsable du contenu à Haïti Climat, membre fondateur également. Et j'assure le cours de journalisme à la faculté des sciences humaines. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci Farès. Et comme annoncé tantôt, aujourd'hui, on va profiter pour présenter le deuxième numéro de Urgence Magazine. Et c'est donc avec plaisir qu'on accueille Patrick Saint-Pré, coordonnateur de Haïti et de Acled, qui va nous faire la mise en contexte. Il va nous faire la mise en contexte du magazine, de Urgence Magazine, et ainsi que les activités de Acled et de Haïti Climat. Bonjour, bonjour à tout le monde et bonjour aux internautes. Merci à Valérie Fizemé pour l'introduction et merci aux modérateurs et spécialement à Madame Michèle Duvivier-Pierre-Louis qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre pour animer cette causerie en deuxième partie de cette activité. C'est avec une immense fierté que je vais procéder au lancement officiel de ce deuxième numéro de Urgence Magazine, un organe de diffusion et de vulgarisation d'Acled à part entière, à l'instar d'Haïti Climat, notre plateforme multimédia. Donc, ce magazine, se veut être un organe à part entière, comme je viens de le dire, pour vulgariser les initiatives, les bonnes pratiques locales
visant à promouvoir un changement de paradigme environnemental en Haïti. De la date de sortie du premier numéro, en juin 2017, à la sortie de ce deuxième volume, bien cela fait exactement 4 ans. La grande leçon à tirer de ce délai, d'aucuns qualifieraient de extrêmement long, c'est qu'il faut donner du temps au temps. Le travail que nous faisons demande beaucoup de temps et les résultats ne se verront pas immédiatement, les résultats ne seront pas palpables, visibles du jour au lendemain ou à partir d'un claquement de doigts. On parle de sensibilisation, on parle de conscientisation même dans certains cas, on parle aussi de bonnes pratiques, de changement de comportement. Donc, cela ne saurait s'opérer ni par magie, ni sur un claquement de doigts. Cela demande beaucoup de temps. Tout comme à Cled, Urgence Magazine a vu le jour dans le sillage de la COP21, la grande conférence climatique qui a été organisée à Paris en décembre 2015. Eh bien, tout de suite après cette activité, ACLED a vu le jour, Action pour le climat, l'environnement et le développement durable, une initiative d'un ensemble de jeunes Haïtiens qui croient encore en Haïti, de jeunes professionnels de tout horizon, de tout azimut, qui croient qu'il est encore possible de faire quelque chose en Haïti. Et ils se sont évertués à se mettre ensemble, le plus dur à faire, pour monter cette association qui se donne pour mission de faire la promotion, de faire la diffusion, de faire la vulgarisation des bonnes pratiques écologiques en Haïti. C'est ainsi que ACLED a reçu une subvention de Internews, donc cette grande ONG qui finance les médias, les projets médias dans les pays du Sud. Eh bien, à travers sa filiale EUF Journalism Network, EJN, ACLED a reçu une subvention pour financer 15 reportages multiformats en Haïti. À partir de cette expérience qui a été très enrichissante, nous avons eu de bons reportages et permettez-moi de saluer le travail d'accompagnement de Jean-Farès Jérôme qui a joué le rôle d'accompagnateur des journalistes et qui a permis à ce projet de voir le jour. Eh bien, ces reportages, dans le cadre d'une capitalisation de ces reportages, eh bien, nous avons offert à Internews, nous avons proposé à Internews, eh bien, de réaliser un magazine qui se voulait être à l'époque une capitalisation du projet. Avec le reliquat qui était disponible, eh bien, on a entrepris de faire ce magazine, de monter ce magazine. Voilà un peu pour le contexte, pour la genèse de cette initiative. Donc, en juin 2017, le premier numéro de ce magazine a vu le jour. Mais à l'époque, nous ne disposions pas beaucoup de fonds. Eh bien, nous n'avons pas pu imprimer une quantité importante de ce magazine, mais l'esprit était là, l'idée était là, l'envie était là. Actuellement, grâce à un support, grâce à des fonds de PISCA, un projet de l'ambassade de France, dont ACLED est bénéficiaire, nous avons pu tirer cette fois-ci plus de milliers d'exemplaires qui vont être distribués un peu partout à travers le pays, particulièrement dans les écoles et dans les universités, pour pouvoir continuer avec cette plaidoirie, pour pouvoir continuer avec ce travail d'éducation environnementale, pour pouvoir poursuivre avec cet effort de vulgarisation de masse, donc pour essayer de multiplier les canaux de diffusion pour pouvoir toucher tout le monde. Donc, nous espérons, avec ce deuxième volume, on va être un peu plus partout, on va toucher des cibles qui, jusque-là, j'espère, n'étaient pas encore atteintes. Voilà un peu pour cette activité de ce matin, un peu la genèse, le contexte d'Urgence Magazine. Nous espérons qu'avec ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion, faire du magazine une publication semestrielle. Donc, nous espérons que nous n'allons pas mettre encore 4 ans pour pouvoir sortir un troisième numéro. Et j'en appelle à l'éveil de conscience et d'autres partenaires animés par le sens de l'urgence climatique que nous vivons actuellement pour venir grossir les rangs de Panos, Caraïbes, Institut Panos, et du Fonds haïtien de la biodiversité, deux partenaires infatigables qui se sont mis debout aux côtés d'ACLED
dans cette aventure. Donc, nous espérons pouvoir compter sur eux pour le prochain numéro et aussi nous faisons appel à d'autres partenaires pour nous aider dans cette longue quête, dans ce travail ardu qui nécessite beaucoup de bras, qui nécessite beaucoup de partenaires, qui nécessite le met ensemble, le combat. Il ne me reste qu'à remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont contribué dans ce numéro. Vous aurez l'opportunité de les connaître davantage avec la présentation que Fares va faire tout à l'heure. Un grand merci également à tous les membres d'ACLED, à tous les auditeurs, auditrices de Haïti Climat, les lecteurs, les internautes qui nous suivent depuis le début. Merci, merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Patrick. Maintenant, j'invite la régie à diffuser pour nous les vidéos promotionnelles qui parlent davantage de travaux que nous réalisons à ACLED et à Haïti Climat en particulier. ACLED, qui c'est Action pour le climat, l'environnement et le développement durable, c'est une association haïtienne qui prend naissance début 2016, tout de suite après l'organisation COP21 dans Paris, avec pour mission pour lui faire plaidoyer pour protéger. Si l'environnement est dégradé à un point tel, eh bien, tous les autres secteurs, tous les autres projets ne vont pas pouvoir évoluer correctement comme ils se doivent. Nous avons lancé notre propre site web www.haiticlimat.org où des centaines d'articles ont été postés pour faire la promotion des bonnes pratiques environnementales pour aider à la lutte contre la dégradation de l'environnement et aussi pour mettre en valeur des initiatives, des acteurs locaux qui sont engagés dans la protection de l'environnement. Nous avons développé une stratégie où nous recrutons des étudiants stagiaires qui alimentent nos différents canaux de diffusion en contenu et en échange, ils reçoivent de la formation, ils acquièrent de l'expérience avec nous et à la fin de leur stage, eh bien, ils sont gratifiés d'un certificat et d'un carnet d'adresse pour qu'ils puissent poursuivre leur carrière. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de place pour que le paysage médiatique accorde et beaucoup plus de place au traitement et à la diffusion de ces informations. Je souhaiterais également au niveau de l'État qu'il y ait une priorité claire qui est donnée et à l'environnement, que ce soit à travers des programmes, des projets implémentés au niveau gouvernemental. Alors, rapidement, pour faire la mise en contexte de cette vidéo promotionnelle, en fait, c'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre de la remise du prix francophone de l'innovation dans les médias. Donc, c'est un concours qui fut organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, de concert avec et d'autres partenaires, et Haïti Climat fut l'un des trois lauréats.
plateforme multimédia Haïti Climat, li c'est un mélange savant de médias traditionnels. On a parlé de en émission radio que nous gagnons dans Magic 9 chaque jeudi. On a parlé d'un chronique que nous gagnons dans journal Le Nouveliste chaque vendredi. On a parlé tout d'un magazine que nous distribuons dans l'école, dans l'université qui c'est Urgence Magazine. Li son mariage tout avec numérique là parce que nous très présents sur réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, côté que tout contenu audiovisuel que nous produisons yo disponible et yo gratis. Nous chita tout sur site web nous www.haiticlimat.org. Haïti Climat c'est la première plateforme multimédia en Haïti qui consacrée exclusivement à traiter thématiques qu'il y a environnement, changement climatique et énergie renouvelable. C'est un focus que nous décidons de mettre parce que nous conscients que trois thématiques sont transversales et ont affecté la vie nous en tant que peuple, ont affecté l'économie. En deux ans, c'est plus que 30 émissions que nous déjà diffusées sur Antenne Magique 9. C'est plus que 20 chroniques que nous déjà publiées dans le journal Le Nouveliste. C'est plus que 10 reportages documentaires que nous faisons sur le terrain. Eh bien, c'est plus que 200 articles que nous livrons déjà en deux ans. Produit et diffusé sur ensemble canal. Voilà. Donc, pour ceux qui, pour celles et ceux qui prennent contact pour la première fois avec Haïti Climat, j'espère que vous avez été édifiés. Donc, vous êtes assez bien imbus de ce qu'on fait, du travail qu'on réalise, que ce soit à travers l'association ACLED, que ce soit à travers nos différents projets comme la plateforme multimédia Haïti Climat ou encore et l'Urgence Magazine dont on vous présente aujourd'hui. Alors, je passe la parole rapidement à Jean-Farès Jérôme, qui est aujourd'hui aussi modérateur de cette causerie, mais qui assure au niveau de Haïti Climat et la gestion des contenus. Donc, Farès, c'est celui qui accompagne et nos stagiaires, c'est celui qui accompagne la rédaction, c'est lui qui regarde, qui vérifie, qui édite tous les textes avant qu'ils soient rendus publics. Donc, rapidement, je passe la parole à Jean-Farès Jérôme qui va faire une présentation de Urgence Magazine, eh bien, qui va nous dire qu'est-ce qu'on y trouve et comment ça a été produit, qui a collaboré et quel est l'intérêt de la lecture de Urgence Magazine. Merci Valérie. Et Urgence Magazine, c'est notre deuxième numéro et au niveau de Haïti Climat et ACLED. Et ça résume l'ensemble des travaux que nous réalisons sur une période. Nous avons ce que nous produisons des reportages, des dossiers, même des enquêtes sur l'environnement. Et c'est souvent à la radio ou encore c'est publié dans les médias et sur Internet ou encore de la presse écrite. Nous avons dit et ce serait mieux d'avoir un espace où on peut mettre ces travaux et pour une meilleure vulgarisation. C'est ainsi que nous avons choisi et décidé de créer Urgence Magazine et qui vient de paraître. Et bien dans ce numéro-là, nous avons un ensemble de dossiers et à part le mot du coordinateur de la CLED Patrick Sempré, on a l'éditorial que j'ai rédigé moi-même. On a aussi le bilan du Haïti Climat réalisé par Valérie Fizemé. Nous avons maintenant des reportages. Quand on dit reportage, on voit un travail de terrain, un travail que nous avons réalisé sur l'UPAC et 3B, et ce qu'on appelle aussi l'aire protégée du parc national des 3B, se trouvant dans le département du Nord-Est. Eh bien, c'est un travail que j'ai signé moi-même et j'étais sur le terrain et à Caracol. Ce parc-là se donne et est partagé entre plusieurs communes comme Trou du Nord, comme Limonade. Et j'ai été sur le terrain pour voir la situation de ce parc, comment on le traite, quelle sécurité, se protéger comment. Eh bien, nous avons vu. Et après la déclaration de ce parc comme étant protégé, rien n'a été fait. Les maires des zones où se trouvaient, des communes où se trouvaient ce site, ont essayé de prendre des mesures pour le protéger,
mais ça reste des mesures mort-nées. Il n'y a pas eu de suivi, pas manque de moyens, pas manque et de budget, mais c'est vraiment une source de biodiversité en termes de richesse. Et je vous invite à lire cet article, ce reportage, et pour apprendre beaucoup du parc national des Trois-Baies. Il y a aussi un article de Kelly Guerrier, docteur Kelly Guerrier, c'est un responsable et de l'unité de recherche en géosciences à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et c'est une présentation de cette unité et que nous avons bien à partir du 12 janvier 2010. Et Haïti, ce thème est devenu important pour Haïti. La question est, il faut étudier les sols, il faut étudier les constructions. Eh bien, Haïti a décidé et l'UEH avait mis en place et cette institution, cette unité, et pour faire ce travail. Eh bien, c'est en 2011, d'après l'article, que l'idée était venue de mettre sur place et cette entité. Eh bien, mais ça a pris naissance réellement en 2013, et à partir des travaux des professeurs Dominique Boisson de l'UIH et Jean-François Timus de l'Université catholique de Louvain. Et depuis, l'unité a réalisé un ensemble de travail. Et en termes de ressources humaines, et elle regroupe 7 docteurs, 4 doctorants, 2 techniciens, une dizaine de jeunes ingénieurs et d'étudiants finissant de la faculté des sciences. Et ses principaux axes de recherche sont la stabilité et le talus rocheux, le comportement des sols et des fondations, faille active et sismologie appliquée, études hydrologiques et hydrogéologiques et les méthodes géophysiques appliquées. Et cette unité fait aussi un travail de vulgarisation sur la géoscience. Et par exemple, il y a un concours sur les risques et qu'elle organise chaque année. Et je crois que la deuxième édition a eu lieu l'année dernière. Et c'est un concours qui est réalisé de concert avec Chevelin Discussion. Il y a aussi un article sur les défis de la médiation scientifique en Haïti, écrit par le docteur Miroslav Saint-Fleur, qui fait partie aussi de l'IGEO, dont je viens de vous parler. Eh bien, l'article explique ce qu'est la médiation scientifique. Elle fait une différence entre la vulgarisation et la médiation scientifique. Eh bien, à côté de ça, et pour la médiation scientifique, qu'est-ce que c'est? Et la vulgarisation scientifique, c'est simplifier un message scientifique pour le communiquer au grand public. Eh bien, pour la médiation, c'est une multitude de pratiques et d'approches dans le but de connecter le monde des sciences au reste de la société. Eh bien, et l'auteur de l'article cherche à savoir pourquoi ce travail est difficile en Haïti, le travail de connecter la science et la société. Parce que la science devrait être au service de la société. Et parmi l'ensemble, il y a un ensemble d'obstacles qu'il a relevés. Parmi eux, c'est la recherche scientifique qui n'est pas assez avancée en Haïti. On connaît bien les causes, et manque de ressources et ressources humaines, et manque de ressources financières aussi, parce que la recherche, ça coûte. Et il y a aussi la liberté d'expression. Et ici, le marché est très petit et les gens se connaissent. Eh bien, même si la Constitution garantit la liberté d'expression, mais beaucoup de gens, des scientifiques font attention à ce qu'ils disent. Eh bien, ça n'aide pas à faire avancer la médiation scientifique. Il y a aussi une absence, je dirais même une absence de médias spécialisés. On a beaucoup de médias en Haïti, surtout les médias électroniques et les médias en ligne, la radio, la télévision, mais ce sont des médias généralistes. On n'a pas de médias spécialisés et dans des thèmes scientifiques comme la médecine, comme et l'agriculture. On a des médias scientifiques, mais qui diffusent et parfois qui travaillent sur ces thèmes-là, mais c'est de façon
c'est pas de façon continue. Et ça n'aide pas à faire avancer et la maîtrise scientifique. Et d'ailleurs, et des fois, le format scientifique n'est pas toujours adapté pour ces médias-là. Et en gros, ce sont là quelques des obstacles et que l'article a relaté concernant la matière scientifique en Haïti. Et l'article a aussi fait écho du travail de Haïti Climat et dans ce domaine-là. Il y a aussi un article sur les énergies renouvelables. Et c'est un article de notre Joachim titré « Des communes de la côte sud donnent le ton ». Et il y a eu une visite et dans les communes et sur la côte sud, dans les communes des Anglais et au Couteau, et pour voir comment et pour présenter l'expérience des énergies renouvelables. Et bien dans cette commune-là, au Couteau, il y a la coopérative électrique de l'arrondissement des Couteaux. Et c'est une coopérative spécialisée dans les énergies renouvelables. Et la commune abrite une mini centrale hybride solaire et diesel et qui donne de l'éclairage aux gens Maintenant, les gens, c'est de l'énergie prépayée. C'est ce que l'IDEA veut faire maintenant. Et c'est pas trop cher, mais c'est une expérience qui est en cours. Et dans les prochaines années, la coopérative espère pouvoir desservir toute la commune et même dupliquer cette expérience dans d'autres communes du pays. On a aussi notre article de Jodesson Cadet, c'est un membre de Haïti Climat, des lots boisés pour réduire les risques d'inondation. Eh bien, on a pris l'expérience d'un projet dans une zone des Gonaïves, c'est Mayonnais, troisième section communale et la partie de la Tibonite. Eh bien, on présente un projet et qu'on peut dire qu'il y a un success story. Et on a planté des arbres, et bien d'après l'article, maintenant, la zone est maintenant boisée, les gens peuvent trouver de la fraîcheur, les gens sont contents de ce qui a été fait. On trouve des arbres à 3 mètres de haut. Et c'est un projet qui avait commencé après les inondations de 2008 de la zone. Et ce serait bon si vous écoutez. Et si vous pouvez visiter ce projet et aider à le dupliquer. Et on a aussi des comptes rendus de mission de Haïti Climat et de ce travail-là. Et un texte de Omar Fizeme, bien planifier la gestion des déchets peut être une source de richesse. C'est l'émission du 20 février 2020 de Haïti Climat saison de Magie 9, qui avait la participation de Joannesson Latour, ingénieur agronome, docteur en chimie de l'environnement. Et un autre article de professeur Jean-Roussel Etienne, quelle forme d'agriculture pour nourrir le pays? Il y a tout un débat sur ça. Et faut-il importer pour nourrir toute la nourriture et toute la population comme on fait aujourd'hui, importer tout ce qu'on a, on a besoin? Ou encore, est-ce qu'il faut aller vers l'agriculture bio et la production bio? Est-ce qu'il faut utiliser les engrais pour pouvoir faire grandir et pouvoir organiser toute la population? C'est un débat que l'article nous présente. En gros, c'est ça, et Haïti Climat, avec des articles intéressants, des dossiers intéressants que nous vous invitons à lire, à partager pour faire avancer la cause de l'environnement. Je vous remercie. Merci, Jean-Farès. Merci Jean-Farès Jérôme. Alors, je rappelle que Farès est le responsable de contenu, de la gestion des contenus à Haïti Climat et à Urgence Magazine en particulier. Et ce que je dois ajouter par rapport à la présentation, suite à la présentation de Jean-Farès, c'est de dire que le magazine est distribué gratuitement et prioritairement dans les milieux scolaires et universitaires. Donc, à partir d'aujourd'hui, les universités de la capitale et certaines dans les villes de province, les écoles vont recevoir le magazine.
Et vous allez voir aussi le magazine dans des lieux publics très fréquentés, dans des institutions privées et dans des entreprises et dans des organisations qui sont sensibles à la cause environnementale. Donc, et ça, ce sont des endroits où vous allez vraiment trouver le magazine. Mais tout, et n'importe qui est intéressé à faire lecture de Urgence Magazine, supporter l'activité Haïti Climat, n'a pas capable de monter sur le site web nous, www.haïticlimat.org ou bien sur page Facebook Haïti Climat, sur compte Twitter Haïti Climat, eh bien, n'a pas capable de joindre un lien et qui va nous accès gratuit à un magazine. Ça. Donc, le magazine est disponible en ligne gratuitement à travers un lien que nous capable de joindre sur www.haïticlimat.org ou encore sur Facebook Haïti Climat et Twitter Haïti Climat, et puis ça compter différents partenaires nous tant que Panos Caraïbes, Fonds Haïtien pour la Biodiversité, qui eux-mêmes c'est des distributeurs de magazines. Alors, et maintenant que vous savez ce que c'est et Urgence Magazine, il est disponible à partir d'aujourd'hui, et je vais maintenant inviter et faire la place à notre invité d'honneur. Et c'est l'une de Madame Michèle Duvier-Pierre-Louis, et une personne très humble et très modeste, et malgré son statut, malgré son parcours, et c'est que, grande anecdote, et même par contre, qui j'ai pour me présenter, donc je souhaité que c'est lui-même qui t'a dit non, qui j'ai pour me présenter, et je dit, ça me fait déjà beaucoup trop d'honneur que nous invitions à participer. Donc ça résume en quelque sorte. Et qui bon que nous gagnons ensemble avec nous, Madame Pierre-Louis, qui pral animer causerie virtuelle, ça, j'aime dire, autour du thème développement économique, quels sont les enjeux et sociaux et environnementaux pour Haïti. Mais quand même, et même si Madame Pierre-Louis ne connaît pas, fait peut-être lui, mais nous, quand même, prenons le soin de faire une présentation assez courte de Madame Pierre-Louis. Qui est-ce Madame Pierre-Louis? Alors, Michèle Duvier-Pierre-Louis, et c'est un économiste, son professeur à l'université et qui tout son forme politique qui est très engagé. Alors moi prêter quelques mots de Pascal Adrien qui t'a dressé et un portrait de Madame Pierre-Louis et il t'a dit il y a un bagage qui me trouvait qui très intéressant. C'est une femme en Haïti qui rivait ma connaît la science politique et engagement social. Il participait dans mettre sous pied yon nan pigou fondation kap travay nan domaine la kilti ak la connaissance, m'a parlé bien entendu de Focal, kap fè tout promotion pou respect dwa moun, et puis finalement kap travay pou transformer environnement peyi a. Madame Pierre-Louis tout, sou plan politique, se deuxième femme ki te rive okipe pos premier ministre en Haïti. Donc, c'est une grande dame que nous avons pile plaisir, nous avons honneur, nous très honorés, nous avons privilège pour nous accueillir. Je vous dis, hein? Nous disons merci à toute équipe ACLED, toute équipe Haïti Climat, toute rédaction Urgence Magazine, le fait que l'été mettait disponible eh bien, pour être capable de participer avec nous dans la causerie. Ça. Donc, si vous m'avez nous résumer la vie, Madame Pierre-Louis, nous connaissons, nous n'avons pas besoin d'aller trop loin, nous avons plus gros œuvre, nous capable de dire, selon moi-même, Focal. Eh bien, qui, c'est un espace qui permet socialisation à pratique démocratique, symbole de libération de la parole et en même temps son citadelle qui abritait défenseurs secteurs suivant ça, entre autres la paysannerie, les femmes et les jeunes. Donc, Madame Pierre-Louis tout, c'est un monde qui gagne diverses publications que l'il fait. Par exemple, nous avons cité Plaidoyer pour l'autosuffisance alimentaire et qui c'est des chroniques qui sont sorties dans le Nouvelliste en date 1986. Nous pouvons parler tout de quelques réflexions sur l'éducation populaire et état des lieux et perspectives et sous direction Gérard Barthélémy et Christian Giraud. Nous capables mentionner tout le refus de l'oubli et que l'idée publiée dans revue Chemin Critique en année 1990. Donc c'est une dame qui gagne un long parcours derrière lui, un pile cheminement que ce soit au niveau professionnel, social et en engagement politique et sans faille. Madame Pierre-Louis tout, heureusement, et il n'y a pas tant que d'y parler avec nous pour y continuer à distinguer bah, l'honneur et le prix que l'y méritait. Nous avons cité parmi tout le prix que l'y prend, il y a un doctorat honoris causa de l'Université San Francisco en 2014. Nous avons parlé tout de prix Yokota Tada Foundation for Human Rights et que il a été bali au Japon dans l'année 1993. Nous avons parlé tout de prix du concours de nouvelles pour son récit Jérémie,
femme écrivain d'origine haïtienne qui a vécu aux États-Unis 2001. Et en même temps, tout, ligue en l'autre doctorat honoris causa en sciences humaines, cette fois-ci de l'Université Saint-Michel dans Vermont, pays Canada, États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, en 2004. Donc, Madame Pierre-Louis, c'est gros dame ça, c'est grand femme ça qui a accepté et animé pour nous, causerie virtuelle ça, j'en dis là, dans l'occasion et publication deuxième numéro Urgence Magazine. Et thème n'est pas le débat avec nous, c'est développement économique, quels sont les enjeux sociaux et environnementaux pour Haïti. Et c'est Dr. Nodès Calcin-Fleur avec Jean-Farré Zirom qui a assuré modération pour nous. Bonne participation à tout le monde. Micro. Merci Valérie. Je n'ai pas besoin de faire gros présentation ça. Parce qu'on a commencé par dire comme si on moun qui vraiment croit dans l'humilité. Donc, merci en pile pour présentation ça. Donc, bonjour à toutes celles, tous ceux qui sont branchés matin, midi, soir, selon côté nous y est, hein, à l'invitation de ACLED et de Haïti Climat pour cette causerie virtuelle sur le thème développement économique, quels sont les enjeux environnementaux et sociaux pour Haïti. Un vrai défi. Je tiens à saluer la parution du magazine et des travaux qui ont été présentés par M. Jean-Farré Jérôme, le journaliste, bien connu d'ailleurs, et j'attends quelques exemplaires pour nos bibliothèques. Cela nous fera grand plaisir et c'est bien aussi de diffuser par ceux qui s'intéressent à la lecture et dans notre petit réseau de bibliothèques. Je tiens à saluer tout particulièrement donc vous, Valérie, Patrick, qui a eu l'amabilité de m'inviter, et certainement toute l'équipe de ACLED et Haïti Climat, et certainement les modérateurs de haut niveau qui auront à échanger avec moi sur le thème choisi, le docteur Nodès Calcin-Fleur et le journaliste Jean-Farré Jérôme. Je me prépare déjà à des échanges que j'espère fructueux. J'ai divisé mon intervention en trois parties. D'abord, je voudrais poser le cadre global, historique, de la question environnementale et du changement climatique. Haïti, petit pays dépendant, produit peu d'émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps subit les conséquences des politiques et des actions menées ailleurs dans les pays développés, ayant pour effet de déstabiliser la planète. Il est important de saisir l'évolution et les processus qui caractérisent la situation mondiale actuellement. En second lieu, je donnerai quelques indications sur la situation économique du pays, en exposant également les défis environnementaux tels que relevés par un certain nombre d'experts. Et en fin de compte, pour ne pas finir sur une note pessimiste, je prendrai en considération un certain nombre de propositions susceptibles de confronter les défis économiques, sociaux et environnementaux. Alors, commençons par le cadre global historique. Ça m'a intéressé de retourner un peu parce que j'ai enseigné à l'Université Quisqueya un cours sur les relations internationales et le changement climatique et ses effets sur les pays du Sud. Alors, depuis la première conférence des Nations Unies sur l'environnement, le premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972, il y a près de 50 ans, et la conférence mondiale sur le climat en 1979, le débat s'est ouvert sur une forme d'opposition entre le développement économique d'une part et la protection de l'environnement d'autre part. Déjà à cette conférence, en 1979, il a été demandé au gouvernement, et je cite, « de prévoir et prévenir les changements climatiques d'origine anthropique, c'est-à-dire menés par l'homme, qui pourraient nuire au bien-être de l'humanité. » Fin de citation. En d'autres termes, les interventions humaines dans l'utilisation des ressources pour les activités économiques ont bel et bien des effets négatifs sur le climat. La relation économique, environnement, climat est déjà clairement établi. Le deuxième sommet de la Terre, qui s'est tenu à Nairobi en 1982,
fut dominé par la présence du président Ronald Reagan et du premier ministre Margaret Thatcher, qui ont exprimé leur scepticisme, on ne parlait pas encore des climato-sceptiques, mais c'était bien ça, vis-à-vis du changement climatique et leur volonté de maintenir le développement économique tel qu'ils le concevaient, c'est-à-dire la dérégulation des marchés, la privatisation des services publics, la politique du moindre État, autant de mesures qui seront appliquées presque partout après dans le monde, y compris en Haïti, sous l'égide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît. La Banque mondiale a dû s'excuser de ses politiques d'ajustement structurel, de moindre État, etc., à cause justement de ces conséquences désastreuses. Mais c'est au troisième sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro en 92, auquel Haïti a participé par la présence du président Aristide en exil et les organisations de la société civile haïtienne, la FAN, je crois, y avait été. C'est à ce sommet que sera créée la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CCMUCC, qui va reconnaître officiellement l'importance du changement climatique et ses causes anthropiques. C'est la CCMUCC qui crée la conférence des parties, dont a parlé Patrick, hein, la COP. 195 États, dont Haïti, l'Union européenne, ont ratifié la CCMUCC. Et la création d'ailleurs de notre ministère de l'Environnement en est une émanation. Il faut signaler que la CCMUCC avait été également largement influencée par le dernier rapport à l'époque du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 1988. Le GIEC réunit des centaines de chercheurs scientifiques et publie des rapports périodiques sur le changement climatique et ses conséquences sur l'environnement, l'économie et la société en général. Le dernier rapport, dont certaines pages viennent tout juste d'être accessibles, on dit même qu'elles ont fuité, semble tirer encore plus la sonnette d'alarme sur l'état de la planète. Je crois qu'il est prévu pour le mois prochain. La CCNUCC a émis un large éventail de principes, mais trois ont particulièrement retenu l'attention. Le premier, qui s'appelle le principe de précaution, c'est-à-dire qu'en cas de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. C'est un principe qui est souvent répété, remis sur scène, à cause des effets, justement, et il ne faut pas attendre que toutes les questions scientifiques soient prouvées avant d'intervenir. Le deuxième principe, le principe des responsabilités, enfin, parmi les principes les plus retenus, le principe des responsabilités partagées mais différenciées, vous voyez bien ce que cela veut dire, et le troisième, le principe du droit au développement. Ce sont ces deux derniers principes qui font encore l'objet de débats houleux dans les différents COP qui se tiennent chaque année, d'une part entre les pays développés à qui l'on demande de réduire leur production de gaz à effet de serre, et d'autre part, certains pays émergents, largement émergents, qui critiquent les pays développés pour être les premiers responsables de la production des gaz à effet de serre, mais qui accusent aussi ces pays de vouloir mettre un frein à leur propre développement industriel. Donc on est, et là, il y a beaucoup d'ONG, Climate Justice, etc., qui interviennent contre ces différentes prises de position, particulièrement celle des BRICS, dont vous connaissez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et parmi lesquelles la Chine et l'Inde sont de grands pollueurs. Mais les débats sur le mode économique à retenir posent encore problème. À noter que dans les pays développés, entre les années 50 et les années 80, la production industrielle a été multipliée par 4. Particulièrement dans les domaines tels que le pétrole, la chimie, l'électricité, l'automobile, l'aviation, pendant que la population des villes doublait. Tous ces secteurs sont extrêmement polluants. 75% de la pollution et des déchets du monde et du monde entier viennent des pays développés. Il y a un institut qui s'appelle le World Watch Institute,
qui publient régulièrement des rapports sur ce qu'ils appellent The Sustainable Societies, les sociétés durables, et qui a noté que depuis les années 80, les pays développés sont responsables de la consommation de la plupart des ressources du monde, alors même que ces ressources sont exploitées dans les industries minières ou agricoles des pays du Sud par un capitalisme sauvage, fort peu soucieux de l'environnement, aujourd'hui appelé l'extractivisme. Et par exemple, 86% de l'aluminium qui n'est pas produit dans ces pays, qui est largement produit dans les pays du Sud, même dans notre région, Haïti a contribué à la production de la bauxite pendant plusieurs années, la Jamaïque encore aujourd'hui, Suriname, Guyane encore aujourd'hui, sans compter les pays d'Afrique. Mais tout l'avantage de la valeur ajoutée est gardé, bien sûr, dans les pays développés. 76% du bois récolté est dans les pays développés. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Mario de la Tour à propos de notre pays, un film intitulé « Où sont passés nos arbres ?» Et j'y reviendrai à la fin de cette présentation parce qu'il y a eu tout un débat là-dessus. Et il y a un livre qui est sorti récemment dont je parlerai tout à l'heure qui montre que, contrairement à cette vision que c'est le paysan haïtien qui déboise et c'est sa faute, on verra que ce n'est pas nécessairement vrai. L'énergie produite, 68% de l'énergie produite, 61% de la viande consommée, 45% de l'eau consommée. Donc, tous ces éléments d'analyse nous mènent à un certain nombre de grandes questions qui nous concernent, nous, également. Par exemple, j'en citerai juste quelques-uns, la question de la mer, l'océan, qui couvre les deux tiers de la surface de la planète, absorbe 30% du CO2, recycle 50% de l'air que nous respirons, mais on connaît aussi les désastres, la pollution, la pêche industrielle excessive, etc. Vous savez qu'il y a des pays tels que Cuba et la Jamaïque qui ont porté plainte contre nous, Haïti, parce que nos déchets plastiques arrivent sur leurs rives. Or, la mer et l'océan ont besoin d'écosystèmes en bonne santé. On en est encore loin. Deuxième grande question, la biodiversité. Vous en parlez dans votre magazine. Cependant, il y a des espèces qui disparaissent, il y a des écosystèmes qui sont perturbés, même s'il y a beaucoup entrepris pour rétablir certaines dispositions. Les déplacés environnementaux, même si nous ne sommes pas encore profondément affectés, quoique on constate la montée des eaux sur certaines de nos rives, mais dans le monde, et peut-être que ça peut nous arriver aussi, on estime qu'il y a plus de 25 millions de personnes qui sont déplacées par année pour cause de disparition de leur espace vital à cause du réchauffement climatique, particulièrement dans les îles du Pacifique, de l'océan Indien, etc. Et puis la grande question de la sécurité alimentaire. Il est admis aujourd'hui qu'elle est indissociable de la problématique du dérèglement climatique. À ces questions fondamentales qui nous concernent, on pourrait ajouter quelques interrogations. Faut-il remettre en question ce modèle économique extractiviste? Peut-on le remettre en question, basé sur une recherche démesurée du profit au détriment des populations entières, de leur habitat naturel? Comment prendre en compte la pression démographique sur des ressources qui s'amenuisent? En Haïti, la population a doublé en 30 ans. Donc, en 30 ans, on est passé d'à peu près 5,5 millions à 10 millions, 11 millions, 12 millions, ce qui est considérable. Or, des ressources qui s'amenuisent, ces ressources peuvent avoir subi une exploitation ou par la marginalisation de populations entières. Comment lutter contre la déforestation, la disparition des forêts, la pollution des eaux, la perte des espèces qui habitent ces habitats, quand le modèle dominant est souvent de détruire pour le profit ou alors pour survivre lorsqu'il s'agit de populations laissées pour compte?
Moi, j'ai rencontré des paysans haïtiens qui m'ont dit, ouais, couper pied bois ça, parce que je n'ai aucune autre alternative que le vendre charbon. Comment faire, donc, vraiment détruire pour survivre? Comment faire notre la notion de climate justice, qui est une notion très à la mode, la justice climatique, en assumant ses caractéristiques décoloniales? Je m'arrête là, ne voulant pas entrer dans une litanie de questions pour lesquelles nous n'avons pas toujours les réponses. Ce tour d'horizon nous a fait voir, je l'espère, que nous sommes au cœur des problématiques globales concernant l'économie, l'environnement, le climat. Nous ratifions les conventions internationales, mais nous n'appliquons pas nécessairement les préconisations qui y sont inscrites, sauf très rarement. Je peux prendre un exemple. D'ailleurs, Patrick Saint-Pré en a parlé. Il a dit que même l'initiative que vous avez prise est venue après la COP21. Haïti a participé à la COP21, où a été signé ce fameux accord de Paris, largement publicisé. Le ministre de l'Environnement de l'époque, je crois que c'était M. Dominique Pierre, a présenté la contribution prévue déterminée au niveau national, le CPDN, document que devaient préparer tous les États membres. On se rappelle que l'une des résolutions de l'accord prévoyait de créer une enveloppe de 100 milliards de dollars pour aider les pays du Sud à s'adapter au changement climatique et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le CPDN d'Haïti avait défini les priorités suivantes pour faire face aux aléas climatiques. 1. La gestion intégrée des ressources en eau et des bassins versants. 2. La gestion intégrée des zones côtières et la réhabilitation des infrastructures. La préservation et le renforcement de la sécurité alimentaire, notamment par le développement de la bioéconomie. 4. La transition énergétique pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Et 5, l'information, l'éducation, la sensibilisation. La période de mise en œuvre proposée par Haïti s'étendrait de 2016 à 2030 et le besoin de financement s'élèverait à 25 387 millions de dollars, dont 8 700, 773 millions pour les projets d'atténuation et 16 614 millions. Millions pour ceux liés à l'adaptation au changement climatique. Le gouvernement s'est-il inscrit pour être habilité à recevoir ces fonds? A-t-il bénéficié d'une quelconque dotation? Parmi les 5 priorités définies dans la CDPN, laquelle pourrait témoigner d'une quelconque avancée? J'ai essayé d'avoir des informations. Je n'ai pas pu en trouver, sinon quelques bribes. Il est très difficile d'avoir des réponses à ces questions. Alors, cela nous mène à la deuxième aspect que je voulais voir avec vous, la situation économique. Il semble évident que des efforts soutenus dans ces domaines précités, auraient une incidence notable sur la situation économique du pays que nous abordons maintenant. Le dernier rapport de la Banque mondiale, le rapport du MEF, de la DRH, le dernier rapport de la Banque mondiale particulièrement, dont la mise à jour date d'avril 2021, relève une nouvelle fois les éléments qui caractérisent la situation économique et sociale d'Haïti. Instabilité politique et insécurité, problèmes de gouvernance, fragilité environnementale, et je ne rentrerai pas dans les débats qui agitent l'actualité ces jours-ci. Vous les connaissez mieux que moi. Haïti atteint la 170e place sur 189 pays pour ce qui concerne l'indice de développement humain. Patrick Saint-Pré a d'ailleurs écrit un article sur le sujet dans le Nouvelliste. Le PIB s'est contracté de 3,8% en 2020 et la pandémie de COVID-19 affecte encore davantage une économie déjà faible, voire l'instabilité politique. Les estimations actuelles indiquent un taux de pauvreté de 60%, ce qui est en hausse par rapport aux années précédentes, où c'était environ 55-58%. En plus des problèmes structurels, Haïti reste très vulnérable aux risques naturels, principalement les ouragans, les inondations et même les tremblements de terre. Plus de 96%
de la population est exposée à ce type de choc. Alors que le changement climatique risque d'augmenter la fréquence, l'intensité et les impacts des événements météorologiques extrêmes, on est en train de faire de grands travaux scientifiques pour voir est-ce que l'incidence des cyclones est liée au changement climatique, même si les conclusions ne sont pas toujours faites. Mais le pays fait toujours face à un manque de mécanismes de préparation et d'adaptation adéquats, même si, encore une fois, on pourrait citer quelques aménagements nouveaux. Ces quelques indicateurs nous montrent que le bilan est lourd. À cela, il faudrait ajouter le déficit budgétaire, l'inflation, bien qu'il y ait une baisse d'après le dernier rapport du MEF et de la BRH, les manipulations de la gourde, tout un ensemble de facteurs qui affectent les plus pauvres, majoritaires dans notre pays et souffrant d'insécurité alimentaire chronique. Car derrière les chiffres se cachent des gens, des personnes, des individus, des femmes, des hommes, des enfants, et des femmes et des hommes à la recherche d'emplois décents pour faire face à leurs besoins, à ceux de leur famille. Et c'est ce désir d'émancipation qui est constamment tu, sinon de manière démagogique, constamment contrarié par des simulacres et des faux-semblants. En 2014, l'Université de Montréal et Oxfam America ont produit un rapport d'une cinquantaine de pages intitulé « Adaptation au changement climatique, le cas d'Haïti ». Leur analyse s'articule autour des thématiques suivantes. La vulnérabilité d'Haïti au changement climatique, le déboisement, l'énergie, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la capacité adaptative de la gouvernance en Haïti. On peut ne pas toujours apprécier certaines assertions. Je n'ai pas toujours été d'accord avec leurs propositions, par exemple, particulièrement ce qu'ils disent de la couverture végétale, mais le document présente certaines propositions qui valent considération, même si une mise à jour s'avérerait nécessaire. L'économie d'Haïti, écrivent-ils, est largement basée sur l'agriculture, qui emploie 60 % de la force de travail et contribue à 25 % du produit intérieur brut. Le climat et la météo, la température, sont des facteurs clés dans la résilience et la productivité agricole. Même si la plupart des familles dépendent de l'agriculture comme moyen de subsistance, jusqu'à récemment, le gouvernement et les bailleurs de fonds ont négligé le secteur agricole en termes d'investissement et d'innovation technologique. Pourtant, et c'est vrai, quand on regarde les chiffres, c'est effarant. C'est à peine 0,5%, 2%, 3% sur les 30-40 dernières années. Pourtant, l'investissement dans les entreprises agricoles de petite taille et dans le secteur agricole en général est essentiel pour renforcer la résilience climatique et satisfaire les besoins de sécurité alimentaire. L'investissement dans l'agriculture, même de subsistance, est vital pour l'adaptation au changement climatique. Ces experts estiment qu'environ 7700 km² de terre sont classés comme cultivables, soit environ 28 % du territoire. Quoique 11 000, près de 12 000, près de 2 millions d'hectares sont exploités sur des pentes, on connaît les difficultés. Les terres en plaine couvrent environ 550 000 hectares, dont 135 à 150 000 pourraient être irrigués. Cependant, seulement entre 75 et 80 000 hectares sont effectivement irrigués. On a de l'eau, elle va directement en mer, alors qu'elle aurait pu beaucoup plus largement servir à la productivité agricole. Mais bon, c'est un autre débat. Les femmes, et ça, ça m'intéresse particulièrement, vous en doutez bien, représentent plus de 55 % de la population. On ne voit pas de chiffres exacts dans ce pays, on y reviendra. Et elles sont généralement chefs de famille. En milieu rural, elles sont très impliquées dans l'agriculture, l'ensemencement, la récolte, la transformation et bien sûr la commercialisation. Leur rôle doit être pris en compte dans tout programme d'amélioration des pratiques agricoles et de la résilience climatique.
Dans ce document, comme dans tous ceux qui tentent de poser les problèmes du pays, la question de la gouvernance revient comme un leitmotiv. Manque de volonté politique, absence de leadership, de transparence, de coordination et même de participation des citoyens et des citoyennes. La société civile et les bailleurs ont un rôle également à jouer dans l'implémentation des politiques publiques et la responsabilisation de l'État. Les recommandations de cette étude se déclinent autour des manques suivants. La collecte de données. On en revient à l'article du docteur Nudescar. Collecte de données scientifiques. Haïti n'a pas de système adéquat pour la collecte des données, même sur le temps, les cultures, les sols, les chaînes de valeur, dans les trois grandes campagnes agricoles du pays. Le rôle et l'implication des organisations locales de la société civile, l'introduction de nouvelles variétés de cultures adaptées au changement climatique, l'investissement dans la petite mécanique agricole et l'industrie légère de transformation. Je sais que le professeur Gaël Pressoir y travaille. L'accès aux services financiers et, in fine, l'amélioration de la gouvernance du secteur. Alors, j'arrive à mes choix, le grand défi. On aura compris mon parti pris pour la production agricole et la pêche, donc l'élevage, la pêche, comme secteur essentiel du développement économique dans le pays, porteur de transformations systémiques et le plus à même à lutter contre le changement climatique parce que fondamentalement concerné. Cela ne veut pas dire que ce soit le seul. Je m'intéresse à beaucoup d'autres secteurs. Je m'intéresse à l'art, je m'intéresse à la création artistique. Je m'intéresse à la vitalité de ce secteur également. D'ailleurs, je viens d'apprendre que trois de nos écrivains ont encore gagné des prix. Sans compter tout ce qui se fait dans l'artisanat, dans la culture en général, c'est un secteur qui m'intéresse particulièrement. Dans le cadre de cette présentation, vous aurez compris mon parti pris. Et encore plus, ce choix se justifie par le rôle historique qu'a joué le secteur paysan, malgré l'exclusion dont ils et elles, les paysans et les paysannes, ont été et sont encore victimes, dans la production d'enrées qui ont permis à l'État haïtien de payer des dettes contractées depuis l'ordonnance de Charles X, en conservant toutefois la petite production familiale marchande vers laquelle se tournent aujourd'hui les pays les plus développés qui lui avaient tourné le dos au profit des grandes industries agricoles. Un vieux conflit dans notre pays, le conflit des libertés entre la grande plantation et la petite production familiale marchande. Le secteur agricole est constitué d'environ 1 million de paysans et de paysannes producteurs, productrices, hommes et femmes, possédant des exploitations agricoles petites, c'est vrai, des fois moins d'un hectare, mais aussi de quelques jeunes entrepreneurs, filles, garçons, qui exploitent environ 5 hectares et d'un nombre limité d'agro-industries sur des étendues d'environ 40 hectares. L'ensemble de ces exploitations travaille une diversité de produits, mais leur productivité et leur performance restent encore à un niveau trop bas. Le secteur agricole participe à hauteur de 20 à 25%, on l'a déjà dit, de la valeur ajoutée créée dans l'économie et emploie environ 5 millions de personnes en haute saison des trois campagnes agricoles, ce qui représente 60% de l'emploi global. Cependant, les contraintes persistantes dans le secteur limite sa croissance et le bien-être des agriculteurs, des agricultrices, de leurs familles. Le manque d'investissement, le manque d'infrastructures agricoles et rurales, on construit des autoroutes, c'est bien, mais on n'a jamais construit un maillage de routes internes rurales qui permettrait que la commercialisation des biens particulièrement périssables puisse arriver au marché dans les conditions les meilleures. Il est temps de penser à ces maillages routiers internes. Vous avez parlé des trois baies, mais c'est pareil, hein, quand on voit les grands marchés de l'Esther,
du poisson de fond des nègres, etc. C'est extrêmement compliqué d'y amener des productions qui sont perdues, surtout lorsqu'il s'agit du prix de sable. D'ailleurs, c'est aussi un argument pour amener du charbon. Il est léger, il est en demande, il rapporte et il n'est pas périssable. Donc, le manque d'infrastructures agricoles et rurales, c'est sérieux. La dégradation de l'environnement, oui, les effets du changement climatique et la faiblesse des moyens technologiques pour ne citer que ceci. Donc, vous voyez l'immensité des marchés qui pourraient exister, de l'implication des jeunes et des innovations qui pourraient se faire dans ce domaine, qui pourraient transformer la vie de ce secteur. Le potentiel du secteur agricole n'est donc pas à démontrer. Il suffirait de combler les manques de manière soutenue et dans la durée pour que la production atteigne des niveaux susceptibles d'impacter valablement les sous-secteurs de l'économie tout entière. L'urgence actuelle ne peut pas souffrir de projets de courte durée qui, au bout du compte, maintiennent les familles dans des conditions de précarité et qui n'ont aucune incidence sur la productivité du secteur, ne lui permettant pas de monter en puissance. Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui a longuement travaillé dans les pays du Sud sur la question de la pauvreté, insiste sur les interventions dans le long terme. La lutte contre la pauvreté exige des investissements à long terme, dit-elle, et une gestion de proximité. La prise en compte, fin de citation, la prise en compte de la chaîne des valeurs dans les filières porteuses suppose une capacité d'investissement dans l'ensemble des actions successives ou simultanées qui garantissent un retour pour ceux et celles qui prennent les risques liés à l'investissement et envoient l'aboutissement jusqu'à la commercialisation. Cela signifie également que tous les acteurs et actrices concernés, particulièrement les jeunes hommes et femmes, qui conscients et conscientes des enjeux de la production et de l'économie solidaire dans les circonstances actuelles, acceptent de mettre leur énergie, leurs compétences dans ces expériences somme toute innovantes. Ce n'est pas gagné d'avance, car ce processus doit s'accompagner de formation sur place de ce secteur dans l'économie globale, des études concernant la demande locale et dans certains cas internationales, la concurrence dans les filières particulières, l'impact de celle-ci sur l'environnement en général. J'ai presque terminé. Une approche systémique permet également de mesurer les effets des investissements dans le domaine de la production agricole, de la pêche, de l'élevage, sur la prise en charge des ressources naturelles, particulièrement la ressource en eau, l'implication collective nécessaire pour la gestion des bassins versants, on en parle depuis 50 ans, pour la préservation des sources et l'adoption de mesures qui mettent un frein à la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes environnementaux. Cette implication collective crée également des conditions pour recoudre le tissu social et dès lors l'engagement civique des acteurs et des actrices impliqués. Ce sont ces paramètres et bien d'autres qu'il faut prendre en compte si l'on veut faire reculer la situation d'insécurité alimentaire et de s'engager résolument dans le développement économique du pays. Le pays n'est pas réductible à des constats globalement pessimistes et trop souvent simplistes. Dans la situation actuelle et en ce qui nous concerne, il existe des initiatives locales et régionales, porteuses, vous en parlez dans votre magazine, porteuses d'espoir dans des domaines tels que les filières agricoles et la souveraineté alimentaire, la prise en compte du patrimoine gastronomique, la gestion et la récupération des déchets et l'assainissement, la systématisation des connaissances sur les plantes médicinales, la préservation des ressources et l'aménagement du territoire. Je saluerai particulièrement dans ce contexte l'expérience relatée par M. Saint-Preux de Haïti Climat, des pêcheurs de Saint-Jean-du-Sud qui ont compris l'importance de la mangrove et se sont attelés à la protéger eux-mêmes. Je parlerai du réseau des écoles vertes de Gros-Morne où je travaille depuis 1996, ou des actions qui sont entreprises aussi dans la vallée de l'Artibonite, à Verrette, dans les mondes de Verrette, à Dauphiné, dans les mondes de Cavaillon, à Cafoumac. Un tas d'expériences éparses qui méritent non seulement d'être visitées, de monter en puissance, d'être reconnues, mais de créer des liens,
d'avoir ce que vous avez appelé cette médiation. Ce sont ceux et celles qui ont l'audace et la persévérance de prendre à revers les discours dominants sur nos incapacités, notre pauvreté, nos insuffisances, et dans la pratique promouvoir le respect du travail agricole, de la paysannerie haïtienne dans toute sa diversité et dans sa complexité, qui gagneront peut-être ce pari. Cela ne va pas sans éducation, sans un lien formel et structurel avec l'école et particulièrement l'université. Une éducation axée sur la lutte contre la pauvreté, numéro un des Sustainable Development Goals, contre la marginalisation historique de cette population. Une éducation qui aura compris l'importance des savoirs locaux, l'importance de la collecte de données scientifiques pour se saisir pleinement de la complexité des systèmes ruraux et urbains afin de proposer des modèles adaptés à notre territoire et à notre moment historique. Sortir des clichés et des stéréotypes qui nous affligent, sortir de la démagogie qui paralyse ou encore d'une présence inutile aux grandes conférences internationales sur le changement climatique ou le développement économique et qui n'apporte rien en retour. Dans un recueil publié après le CIS par une vingtaine de chercheurs et d'universitaires sous le titre « Innovation locale et développement durable en Haïti » sous la direction de Henri Rouillet-Dorfeuille, Agnès Chamaillou et Michel Auriol, elle dit dans la préface, je cite, « La demande de ville est aujourd'hui trop forte en Haïti et dans le monde pour imaginer un retour en arrière, un repli sur le rural. Mais nous pouvons, nous devons accompagner les acteurs paysans pour donner un sens nouveau au rural. Meilleur revenu, meilleure gestion du territoire, réhabilitation de l'environnement. Comme partout ailleurs, une paysannerie forte est un atout pour garantir la sécurité alimentaire, pour gérer les paysages, pour ancrer la nation dans des valeurs de travail, de solidarité, de dignité. » Fin de citation. J'en pointe ma conclusion à Alex Belland dans son livre intitulé « Haïti déforesté, paysage remodelé ». Notre paysage naturel, écrit-il, composé de vastes savanes, de marécages, de forêts, a été modelé par l'action des différentes civilisations et sociétés qui s'y sont installées depuis des millénaires. En plus des modifications du climat, les ouragans, inondations, glissements de terrain, tremblements de terre, tout cela transforme continuellement le relief, les sols, la végétation. Cet environnement, au fil des siècles, a subi des mouvements successifs de destruction et de construction ou de reconstruction des aires arborées. Déforestation pendant la période Taïno, reforestation au 16e et 17e siècle après le génocide indien et le dépeuplement que cela a entraîné, destruction des aires boisées sous la colonie française, bien que l'introduction par les colons d'espèces telles que le campêche contribuera à une certaine reforestation. Mais il sera après dépeuplé encore pour le bois de campêche. Mais pendant près de 200 ans, écrit Belland, la coupe de ce campêche, de l'acajou et d'autres bois d'exportation changera également le paysage. Je paraphrase un peu certaines citations. C'est dans ce contexte que la paysannerie haïtienne, laissée pour compte, va inventer des savoir-faire et de nouvelles formes d'exploitation de l'arbre, reconstruire des espaces peuplés d'espèces pérennes, utiles, hérités des Amérindiens ou importés par les anciens colonisateurs, mangue, avocat, arbre à pain, agrumes, bananes, noix de coco, noix de cajou, etc. Mais l'espace est très largement déboisé dès le début du 20e siècle. Et je cite Belland, la déforestation actuelle n'est pas simplement le résultat de la production de charbon de bois par une population appauvrie et ignorante, telle qu'on le présente généralement. Le déboisement n'atteint pas non plus aujourd'hui les extrêmes qu'on veut nous faire croire. Avec l'observation et l'écoute, et en s'aidant des moyens qu'offre la digitalisation d'images satellitaires, on découvre une réalité beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe que celle des 1,5% de couverture végétale.
un simple tour virtuel du pays avec des logiciels gratuits d'imagerie satellitaire actuellement disponibles suffira à s'en convaincre. Si le discours alarmiste peut servir à certains pour des raisons qui parfois n'ont rien à voir avec l'intérêt général, il n'aide nullement à appréhender la réalité et à définir des solutions appropriées. Fin de citation. En même temps, je pense personnellement qu'il est important de ne pas négliger les tentatives d'agriculture périurbaine. Nous en avons lancé à Martissan depuis que nous créons le PAP en 2007. C'est aussi à cause de la guerre des gangs, il est difficile, mais le PAP n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui détruit, ni menacé, ni attaqué. Mais la production agricole et animale étant encore largement tributaire du monde rural, il est important d'envisager les mesures susceptibles d'accompagner et d'amplifier les évolutions positives. Toute prise en compte du changement climatique, toute politique publique en ce sens, ne pourront faire l'économie de travaux scientifiques réalisés dans ce domaine au cours des dernières années et sans une volonté d'inclusion des populations marginalisées pour enfin mettre fin à des siècles d'injustice et d'inégalité. Alors, je termine vraiment maintenant. Je ne pourrais terminer sans une pensée spéciale pour notre géographe national, Georges Anglade, qui nous a laissé trop tôt en ce jour du 12 janvier 2010, mort sous les décombres du tremblement de terre. Georges, c'est l'homme de science, de l'Atlas critique, d'Espace et liberté, de mon pays d'Haïti, de ce petit opuscule plein d'idées surprenantes, Éloge de la pauvreté, pour ne citer que quelques-unes de ses œuvres. C'est lui qui, en 2004, avec lucidité, mais encore plein d'espoir sur notre devenir commun, nous disait ceci. Je cite, « À cette société bloquée, anomique pour l'essentiel, figée dans le dérisoire d'affrontements sans portée, ficelée de réseaux parasites, il faut un électrochoc. Il est possible qu'avec l'appel au réveil de la production, à un État vivant dans d'une fiscalité de justice sociale, à cette volonté politique de transparence au service des masses paysannes, à notre vouloir de nous intégrer à la Caraïbe et aux Amériques, à notre détermination à enrichir notre partenariat avec les puissances amies, nous puissions aborder la traversée, non pas sans tempête, mais sans naufrage. Je vous remercie. » Fin de citation. Merci, Madame Pierre-Louis, pour cette superbe présentation. Je vois déjà des commentaires qui vont dans ce sens et sur tous les réseaux. Donc, encore une fois, au nom de toute l'équipe de Aclair, de Haïti Climat et de Urgence Magazine, je vous dis merci pour cette brillante présentation. Donc, je rappelle qu'on maintenant, on va laisser la parole à nos deux modérateurs, Jean-Farès Jérôme et Niu Descalles Saint-Fleur, qui vont certainement réagir par rapport à tout ce qui a été dit, rebondir et animer le débat. Et puis, je dis à tous celles et ceux qui nous suivent, et les questions, vous pouvez nous les écrire dans le chat room sur Zoom ou sur les réseaux sociaux, on va faire remonter aux modérateurs qui pourront les adresser à Madame Birdie. Bon débat. OK. D'abord, merci Madame Birdie pour cette excellente présentation. Vous avez tout d'abord parlé du cadre global et historique des changements climatiques, donc les meilleurs administratifs pour arriver à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et puis, vous avez vu les effets on va voir le cas d'Haïti et puis enchaîner sur des propositions de solutions pour la sécurité alimentaire. Comme solution que vous avez proposée, ce serait d'investir beaucoup plus dans l'élevage et dans la pêche pour s'affranchir des difficultés du secteur. Pensez-vous que c'est un bon choix? Est-ce que les changements climatiques n'affectent pas aussi fortement l'élevage
et la pêche. Parce que pour faire l'élevage, il faut de l'eau pour les caprins, les bovins. Il faut de l'herbe, il faut de l'eau. Sinon, ils vont mourir de soif. Et puis, pour avoir de l'herbe, il faut avoir de l'eau. Il y a d'autres effets aussi. On a vu ça dernièrement en Australie, justement à cause du réchauffement climatique. Il y a l'augmentation du niveau de la mer qui fait que les rongeurs envahissent les champs. Toutes les herbes, tous les foins qui ont été stockés ont été détruits. Donc, que proposez-vous pour que l'élevage et la pêche soient vraiment des alternatives intéressantes? Bien, merci pour vos réactions. D'abord, j'ai parlé de la pêche et de l'élevage de manière incidentale. Le gros de ma présentation dans ce qui a trait au développement économique a été vers l'agriculture. Alors, sur ces deux autres aspects, il y a quand même pas mal d'études qui sont faites. Je crois que Michel Chancy a beaucoup travaillé dans ce domaine. On va avoir créé d'ailleurs le réseau de l'Etagogo, qui est un certain nombre de petites unités de laiterie qui transforment en lait pasteurisé, en yaourt et en fromage dans le pays et qui sont liées à l'élevage. Donc, ce qui signifie que dès lors que vous voulez investir dans ce secteur en particulier, vous devez prendre en compte la question du fourrage. Et par exemple, à Campérin, on a développé toute une série d'herbes pour le fourrage. Personnellement, je travaille avec plusieurs organisations paysannes qui font de l'élevage, qui vendent leur lait dans les laiteries et qui utilisent ce fourrage, même en temps de sécheresse. Ensuite, nous nous préoccupons de la gestion de l'eau, qui peut se faire autant par citerne, par impluvium, etc. Donc, il y a des méthodes qui sont utilisées, qui sont performantes, et il ne s'agit pas de transformer toute l'agriculture haïtienne en élevage et pêche. Alors, aujourd'hui, par exemple, je travaille à Ansapitre, avec la mairie dans sa pitre et des organisations locales dans sa pitre, y compris de pêcheurs. Et là aussi, c'est pas que ce ne soit pas des secteurs qui seront affectés par la montée des eaux, le réchauffement climatique, etc. Mais c'est une zone, elle, extrêmement poissonneuse. Et ce sont les Dominicains qui en profitent parce qu'ils ont l'équipement que nous n'avons pas. Donc, cela signifie que même quand il faut toujours avoir à l'esprit ce que nous pouvons subir des ouragans, des tempêtes, des glissements de terrain, des débordements de rivières et d'inondations, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité, dès lors que les investissements peuvent se faire, pour augmenter non seulement la capacité technique des gens. Moi, je vois ce qui se passe avec l'Etagogo. C'est vraiment un réseau, d'ailleurs, qui a reçu un prix national et international, de petites laiteries, d'organisations paysannes qui ont 150, 100 vaches, 60 vaches, 80 vaches, qui peuvent les nourrir, même en temps de sécheresse. Parce que même en temps de sécheresse, les laiteries fonctionnent. Donc, il y a des possibilités. Naturellement, par exemple, lorsqu'il y a eu le cyclone Matthew, je travaille avec des organisations dans les NIP, dans la Grand'Anse, dans les CAI, dans le sud, des zones qui ont été frappées par le cyclone Matthew. Eh bien, on a perdu, évidemment, des mouns qui mourent. Donc, on n'a pas besoin de dire cabrit mourit, vache mourit. Mais en même temps, ce sont des situations extrêmes. Et quand il y a des situations extrêmes, justement, notre devoir est d'essayer de comprendre comment, avec la protection civile, il faut protéger les gens d'abord et maintenant tout ce qui émane de leur production. Et par exemple, bon mot d'ordre qui était passé, faut leur inondation, pour le faire, faut remonter
et animaux dans le monde. Faut marer au dans pied bois parce qu'en général, il y a beau rivière yo et c'est le ça que l'eau beauté yo aller. Donc il y a un certain nombre de mises en place qui se sont faites, qui peuvent se faire. Et justement, ce qui serait bien serait de pouvoir les documenter. La précarité est réelle. Je ne veux pas sous-estimer les conditions de précarité dans lesquelles cette paysannerie vit. Mais dès lors qu'elle en a la possibilité, il y a des savoirs locaux qui sont mis en œuvre. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir les faire monter en puissance. Merci beaucoup. Et avant, Fares, je vais passer la parole. Je vais te laisser réagir. Mais avant, je vais sur la pêche. On voit l'état de nos mangroves. Vous en avez fait mention. La mangrove, s'il n'y a pas de mangrove, on n'a plus de poissons parce que la mangrove, c'est comme une pouponnière. C'est là on a les œufs, les éclosions. Voilà, et c'est là que les bébés poissons grandissent avant de prendre le large. En Haïti, actuellement, on n'a presque plus de mangroves. Comment on peut faire? Je ne sais pas comment on peut s'affranchir de ça. Il y a la bidonvillisation généralisée. Je crois que vous avez vous-même documenté ce qui se fait dans le Nord-Est, avec cette organisation, je crois qu'il s'appelle FOMOBIN, je ne me souviens pas très bien du nom, mais où ils sont en train vraiment de prendre en charge la mangrove. Si vous allez, bon, c'est vrai que dans le sud, la baie du Mel, on a décidé de faire un port depuis très longtemps, il y a une mangrove remarquable qu'il faut protéger. La mangrove en plus se reproduit, peut se reproduire. L'expérience dans le Nord-Est, je crois même d'ailleurs que cette organisation a reçu un prix pour avoir pu régénérer la mangrove. Donc c'est ça qui est important. Quelles sont les expériences éparses dans le sud, dans le nord? Nous avons quoi? 1700 kilomètres de côte, un peu plus de 1700, près de 1800 kilomètres de côte. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vous êtes un scientifique, vous vous intéressez à la science, il est impératif qu'il y ait des données. Je vais vous dire, même si je prends un peu plus de temps, Focal a fait un partenariat avec une petite institution qui s'appelle Caribea Initiative. Et Caribea Initiative est dirigée par un scientifique qui se charge aujourd'hui de former de jeunes scientifiques haïtiens. D'ailleurs, je peux vous envoyer son dernier article qui vient de sortir, parce que là aussi, vous parliez des médiations scientifiques, c'est extrêmement intéressant, mais on note les progrès scientifiques d'un pays, d'un État, à partir de ses publications. Et à la limite aujourd'hui, le professeur Evans Emmanuel est peut-être l'un des rares, avec son laboratoire, à constamment publier des productions scientifiques. Donc, il faut aller chercher ce qui existe. Il faut aller documenter ce qui existe. C'est vrai, vous êtes professeur d'université, c'est important de passer un peu aux étudiants ces notions scientifiques impératives, mais l'application sur le terrain, notre terrain. Vous savez, quand j'ai laissé le gouvernement, j'ai été invité à enseigner à Harvard University pendant un semestre. Et naturellement, moi, c'est en travaillant dans une bibliothèque à New York Public Library que je me suis payé mes études aux États-Unis. Donc, j'ai une affinité particulière pour les bibliothèques. Et je me rends à Whitmer Library, la plus grande bibliothèque de Harvard, et je vais naturellement voir qu'est-ce qui existe sur Haïti. Eh bien, 90% des recherches sont faites par des étrangers. Mais il est temps que ça change. Il est temps que nous virer d'eau par la science trop dans le pays ça. Donc, il est temps que justement
on aille voir qu'est-ce qui se passe. Parce que les limites de ce paysan qui s'est adapté avec dans la précarité, elles sont réelles. Il a besoin qu'on lui tende la main. Il a besoin d'expliquer lui ce qu'il a fait à partir de ses savoirs locaux. Mais il a besoin aussi qu'on lui dise jusqu'où ça va aller et comment lui, il peut intégrer ces notions aussi pour gagner mieux sa vie et la vie de sa famille. Donc, vous voyez, il y a des champs qui s'ouvrent devant nous. Naturellement, la situation sociopolitique rend les choses difficiles aussi. On en est tout à fait conscient, mais imaginons que les choses peuvent et pourront se faire. Bon, j'allais dire, merci beaucoup. J'allais, voilà. OK, je remercie Mme Pierre pour son intervention bien documentée. C'est beaucoup de travail, et j'imagine. Bon, je laisse la question technique et pour Yudiscal. Moi, je vais poser des questions générales et la question est journalistique. Et nous savons que la priorité des pays, ce n'est pas l'environnement, c'est l'économie. Et s'il arrive qu'on marie les deux, c'est bien, mais si on n'arrive pas à le faire, on donne la priorité à l'économie. Dans le cas des pays en développement ou encore des pays pauvres comme Haïti, est-il possible que ces pays se développent là à partir des énergies propres ou encore renouvelables? Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui? On sait qu'il y a un débat, des pays comme la Chine disent, bon, les pays développés, vous avez fait à partir et au dépend de l'environnement, maintenant vous me demandez de le faire du point de l'environnement en compte. Est-ce que c'est possible d'échanger la donne aujourd'hui avec les pays pauvres? Alors, c'est une question importante par rapport à la question énergétique. Effectivement, nous sommes un pays où il y a du soleil, on pourrait imaginer que les énergies renouvelables pourraient se développer dans ce pays. Vous savez, les énergies renouvelables, les panneaux solaires sont fabriqués dans les usines qui utilisent les énergies fossiles. Donc, il y a une contradiction à la papote. Donc, les éoliennes aussi. Moi, je crois que ça peut rester des alternatives, hein, effectivement. Et encore une fois, Haïti n'est pas un pays majoritairement pollueur. Hein. Quand on regarde un peu, bon, les données qui sont disponibles ne sont pas très récentes, mais quand on regarde un peu les émissions de gaz à effet de serre ici, c'est marginal, c'est toujours important, mais comparé aux pays industrialisés, c'est presque pas comparable. Mais n'empêche qu'on subit aussi, par exemple, les gens ne savent pas qu'une motocyclette pollue plus qu'une voiture. Parce qu'il y a eu des mesures prises pour empêcher la pollution dans les voitures. Vous vous rappelez du drame de Volkswagen. Mais en même temps, on subit un peu ce qui se passe dans les pays. Dans les pays développés, aujourd'hui, les gens vendent leurs terres pour acheter des motos, pour le trafic, etc. Bref, donc, pour revenir à votre question, ça ne pourra être qu'hybride en Haïti. Vous savez, on a beaucoup discuté, même quand j'étais au gouvernement, d'une possibilité d'avoir une nouvelle centrale hydroélectrique. Il y a eu plein de recherches qui sont faites dans une zone de l'Artibonite qu'on avait appelée Artibonite 4C. Sauf que l'investissement est tellement lourd pour avoir 30 à 40 mégawatts que c'est des choix difficiles. Vous voyez, donc, les énergies renouvelables, l'expérience que vous avez montrée sur Okoto, Rochabato, etc., est intéressante. Elle peut être renouvelée dans d'autres espaces, mais cela prend une organisation, cela prend un management et non pas forcément ça. Cela prend aussi de développer des économies vertes. Vous savez, on parle beaucoup, hein, la Haïti, le ministre qui a été à la COP21 a parlé de bioéconomie. Bon, c'est vrai, hein? À part l'Artibonite qui utilise largement des engrais chimiques, les paysans travaillent sans engrais. Hein? Nous, on fait beaucoup la promotion du compost et du fumier, et c'est ce que les gens utilisent.
C'est le riz qui va demander dans les grands espaces. Mais je crois que on ne peut pas encore imaginer qu'on serait seulement redevable en termes d'énergie aux énergies renouvelables. Par contre, je pense qu'on peut avoir des systèmes hybrides et on peut peut-être dupliquer les expériences qui sont faites, comme celles, hein, d'ailleurs, dans le petit clip que vous avez passé, monsieur, en présentant le magazine, j'ai vu, hein, les gens sont fiers. Ça veut dire qu'il y a une fierté d'avoir pu réaliser ça. Les gens payent. Hein, ils payent. Vous savez, à Mantisson, ce n'était pas de l'énergie. Nous, on a mis beaucoup de lampadaires solaires, on a mis du solaire partout où on pouvait. Mais éclairer un quartier précaire, c'est extrêmement difficile. Hein. Et nous, ça nous a pris beaucoup de temps pour mobiliser les gens, pour aller à l'EDH, pour nous assurer que l'EDH pouvait donner un éclairage dans ce quartier. Et on a pu le faire, mais ça nous a pris 3-4 ans de négociations, etc. Mais c'est basé sur les énergies fossiles de l'EDH. Donc, c'est une question, tout comme celle de l'économie verte, c'est une question, mais ce sont des questions qui doivent arriver au niveau de la gouvernance et d'une volonté politique de pouvoir associer des communautés à ces différents changements positifs pour le pays et pour ces communautés. Et c'est une question complexe qui mérite des débats, qui mérite des choix, qui mérite des moyens. Absolument. Et moi, je pose une deuxième question et après, on pourra prendre les questions du public s'il y en a. Et d'après vous, Mme Pierre-Louis, Haïti, vous avez abordé brièvement la question de la démographie. Haïti a-t-il un problème de démographie ou un problème de mauvaise gouvernance? Alors, elle a les deux. Vous savez, on a beaucoup accusé les pays pauvres de leur démographie débridée, etc. Ma fille a un doctorat en démographie, elle a toujours été contre moi quand je dis ça, quand je dis qu'on a un problème démographique. Elle me dit que le problème n'est pas uniquement démographique, c'est un problème de gouvernance et c'est un problème économique. Cependant, lorsque une population comme la nôtre double en 30 ans, sans qu'il n'y ait aucune mesure prise pour... Parce que je fais un petit bac en arrière. Haïti est aujourd'hui dans une situation, quand on regarde la pyramide des âges, où on est dans ce que les démographes appellent un bonus démographique. C'est-à-dire que dans la pyramide des âges, l'âge entre 15 et 35 ans représente 60 à 65 % de la population. Dans tout pays où ça arrive, est considéré comme un bonus démographique, il y a des conditions pour ça. Éducation, emploi, et particulièrement professionnel. Il n'est pas normal qu'en Haïti, on est si peu d'électriciens qualifiés, de plombiers qualifiés, etc. Ou dans les usines, on se rend compte que tout ce middle management est pris par des étrangers, des Dominicains, des Indiens. Des Indiens, des Philippins, mais ce n'est pas possible. Il y a un déficit de formation professionnelle chez nous. Qui contribue aussi à cette fuite de cerveau que nous constatons. Donc, la question démographique, elle est réelle. Et comme avait dit un économiste, lorsque le bonus démographique n'est pas pris en compte, il peut se transformer en tsunami démographique. Donc, c'est vrai que nous sommes dans cette phase et on n'en entend pas parler. Il y a un ministère de la Santé publique et de la population, on n'en entend pas parler. Quand je travaillais sur ces questions, ben je ne sais pas si c'est encore le cas, Haïti était le seul pays de la Caraïbe à ne pas avoir une politique de population. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette,
d'abord les grossesses précoces, les enfants, enfin, toute cette question qui nous concerne tous, ça n'a pas l'air d'être prioritaire. Or, c'est sérieux. Or, nous avons basculé dans l'urbain. L'IHSI elle-même dit que depuis 2008, officiellement, la majorité de la population vit dans les villes. Et dans les villes, si je prends la grande région métropolitaine, 1,8 million de gens vivent dans des quartiers précaires. Donc, c'est de sérieux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et je suis content que vous souleviez ces questions. Moi, je n'ai pas les réponses nécessairement à toutes ces questions, mais je suis d'accord avec vous, elles doivent faire débat. Elles doivent faire débat dans tous les lieux, à l'université, dans les écoles, dans la société civile, même ce qui tient lieu de parti politique, puisqu'il va changer la gouvernance. Ce sont de sérieux problèmes. Et nous avons l'air de ne pas croire que ce sont de sérieux problèmes. Merci, Mme Bialou. Bon, pour la question de population, et peut-être je vais être d'accord avec votre fille. Et moi, je pense que quand on regarde la population des pays développés, et avec le taux de naissance, c'est difficile de la reproduire. Ils ne peuvent pas se reproduire parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Maintenant, on va avoir besoin de l'immigration. C'est pour peut-être un avantage pour les pays pauvres et les pays qui ont une grande population jeune. Et oui, nous formons des prolétaires dans ces pays. Vous voyez, nous exportons une méthode. Ça va dépendre du choix de l'immigration qu'on fait. Si on peut faire une migration avec déjà formés, peut-être pas aller chercher des fonds, ça pourrait être. Mais ça doit être une politique. Exactement. Et c'est ce qu'elle dit justement, la démographe. Elle dit on ne peut pas avoir ce bonus démographique et ne pas avoir de politique de population. Et avec une grande population de la Caraïbe, nous sommes dans une zone où les pays ont de petits pays avec de petites populations, Haïti pourrait être un très grand marché pour les entreprises et même pour attirer des emplois. Mais comme on dit, ça, c'est une... Tout à fait. Merci beaucoup, M. Fares. Merci beaucoup, Mme Pierre-Louis. On va rapidement passer aux questions du public. J'ai une question de Maëns Mésidor qui dit est-ce que structure pyramidale système étatique là pas représenter un frein à processus de développement pays? Est-ce que structure pyramidale système étatique là pas représenter un frein pour processus de développement pays? Par contre ça système de qui système pyramidal la parler, mais supposer que l'y renvoyant en question de gouvernance. Et effectivement, question de gouvernance là sont questions fondamentales, hein. C'est-à-dire moi-même qui passait dans l'État, mon cas du que sont c'est vraiment un problème, hein. C'est-à-dire, vous venez avec une série de bonnes volontés, ou bien quand même une expérience dans le pays. Et puis, quand on passe au web blocage, Et ça, c'est peut-être, on va avec le monde qui est en dehors, pas réalisé suffisamment. Vous comprenez? Oui. Que c'est pas bonne volonté, c'est même pas formation, c'est même pas expérience. C'est blocage structurel qui gagne dedans, machine là. Parce que son machine. Oui. Haïti, son pays qui n'a pas un parti politique, qui est vraiment qui capable vraiment accéder au pouvoir, au programme clair, etc. Ou plus fort, changement fait par cooptation. Même moi-même, c'est président par cooptation quelque part. Donc, ou un très long bagage que. Nous pensons que nous pas contre l'État suffisamment. Ouais. Nous pas contre machine ça suffisamment. Comment fonctionner? Comment rouage? Difficulté qui gagne dans rouage? Et particulièrement dépendance pays. Et lors dépendant comme ça,
ou dépendant de monde qui finance l'élection. Ou même mon président qui te dit je suis redevable. Donc ou carrément. Ou carrément. Donc ou dépendant de ça, ou dépendant de l'international. Et des fois on pas qu'à payer employé ou et puis comme contrayant ou pas même occupé de budget réellement pour faire un dal bagay qui simplement démagogique ou bien pour l'assurer un certain aura peut-être ou bien une réélection dans certains cas. Donc c'est compliqué effectivement parce que question attaquer une question de gouvernance et question gouvernance fondamentale. D'ailleurs dans l'exposé maintenant tout monde comme cité yo, tout article, livre comme cité yo, renvoyé à question gouvernance. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas qu'à faire, par ailleurs. Oui. Bon, après, bon, l'autre question est posée, mais qui... Pourquoi ne pas parler trop, hein? Valérie, ou bonne permission, parler toujours? Yon, la question, il dit... Est-ce que le problème de recherche là qui n'est pas développé dans le pays, hein, pas de fonds pour recherche, est-ce que ça n'a pas bloqué nous tout? Parce que lui-même l'a fait effort pour faire des recherches, ils sont doctorants, il a fait des recherches, mais il n'a pas de financement pour aboutir à la recherche. Est-ce que ça. Et la fond, il a fait une recherche intéressante, c'est sur le phénomène de dégradation côtière avec le phénomène climatique, la garde des liens qui viennent, il n'a pas de financement, par exemple. C'est un problème. C'est un problème. Mais en même temps, quoi que. Nous étions dans l'idée que fonds jouent nos corps extérieurs pour que nous qu'à faire recherche. C'est vrai. Problème ressources sont réels. Hein? Mais ma pas un exemple parce que moi même citer exemple ça. Moi même à Focal on travaille gros monde dans une section communale depuis 1996. Et il y a un leader ou organisation paysan qui est dans la zone là, qui est jeune, etc. D'ailleurs, en 26 ans, ça a un paquet de jeunes qui sont formés en sciences. Et d'ailleurs, c'est un exemple que je parle. Il y a un coordonnateur organisation ça, pas besoin de citer non li. Monsieur décidé pour le faire, il est professeur dans le lycée Gromon. Okay? Il est professeur de sciences. Il fait sciences, école normale supérieure. Il est professeur dans le lycée Gromon. Et c'est vraiment une organisation qui essaie de mobiliser propres ressources. Là où elle demande un appui, c'est un appui en appui de propres ressources. Oui. Parce que lui met ça en tête, mon Dieu. Faut qu'à nous-mêmes mobiliser propres ressources. Nous. Parce que si nous avons besoin de 10, faut qu'à mettre 3, faut qu'à mettre 4, faut qu'à mettre 5. Donc, c'est l'autre mentalité qu'on a essayé d'insuffler là. Quand nous avons décidé. Pour des raisons propres, il va le faire maîtrise. Il fait maîtrise. Et là, il arrive pour le faire doctorat à Lyon. Il décide, il va le faire sur un problème que le pensait qui est fondamental dans le pays, hein? Le problème des toilettes. OK? Qui côté moun yo fait besoin? D'ailleurs, nous parlons de problème de l'enmer. Bon, l'enmer, son l'autre problème par rapport à la question ça. Où compte ça, docteur? On y est. Monsieur décidé, il pral fait étude sur ça le relais des toilettes à litière biométrisées et des toilettes sèches. Oui. Et monsieur entreprend ça dans la communauté de l'Angoumon. Et bien, je vous dis, il y a plus que 50 familles Goumon qui ont utilisé des toilettes à litière biométrisées. Il y a toute méthodologie, hein? Il fait supervision scientifiquement. Et lui présenter doctoral scientifiquement sous question ça. Or, monsieur pas besoin en pile l'argent, lui dégager lui chaque fois. Vous comprenez? Pour quand comme te dit, lui besoin 10, lui mettez pas. Et le comme ça, lui plus facile pour vous tout pour obtenir reliquat. Vous comprenez? Donc, c'est vrai problème ressources réel, c'est vrai que il faut capable gagner des fonds. On connaît que UEH a créé un fonds d'appui à la recherche. Par contre, s'il est effectif, s'il gagne l'argent là-dedans, ou si c'était purement un lien budgétaire, mais ça tout,
fonds scientifiques, y compris ou même docteur, nous exiger que bah, ça existe. Parce que recherche n'a pas de plus en plus indispensable et publication n'a pas de plus en plus indispensable. Ouais, en 2015, Ban Ki-moon invité me fait partie de un groupe qui a fait une recherche sur la création d'une banque technologique pour les pays en développement. Nous réunis Istanbul avec un paquet de grands chercheurs. Chef là, c'était un chimiste rwandais. Et premier bail, je dis, faut payer au publié. Parce que ensemble de pays du Sud, ils n'ont pas publié assez. La production scientifique des pays du Sud n'est même pas de 2%. Nous pas qu'à quitter bagage ça eux là mais l'autre seulement. Oui. Donc faut chercher tout moyen pour créer fonds d'investissement pour la recherche ça et la permettre de nous faire des bons avec ensemble de docteurs que n'a créé tout qu'on y est dans différentes disciplines. Voilà. Moi le midi presque on parler contre moi, merci en pile. Peut-être le moment est-il venu des remerciements, hein, docteur. C'est presque ça. Mais on a encore pratiquement 5 à 10 minutes, on va passer ensemble. Et là, j'invite la régie à diffuser pour nous et le vidéoclip que René Durocher a réalisé et pour Haïti Climat dans le cadre de la première édition du prix de la médaille verte et organisé l'année dernière en décembre, où Haïti Climat a tenu à mettre sur le feu des projecteurs, des acteurs, des institutions qui n'ont jamais cessé de prendre des initiatives locales très intéressantes en faveur de l'environnement et du climat. Donc, la régie, et je vous invite à diffuser ce vidéoclip. Alors, merci, régie. Alors, vidéo, ça, j'aime bien annoncer. Donc, il était diffusé pour la première fois le 22 décembre 2020. Et dans le cadre de soirée de remise de prix de la médaille verte, côté que pour la première édition, nous avons gagné 5 acteurs et institutions que nous avons récompensés pour le travail qu'ils ont fait en faveur de l'environnement, de la protection de la biodiversité, de la conservation de la biodiversité, m'a rappelé. Et 5 premiers prix de la médaille verte, c'est Dr. Kenel Deluska, c'est René Durocher, c'est Focal comme institution qui vraiment fait partie de. Et prix médaille verte pour travail et implication qu'il a fait dans ce secteur-là. Et c'est réserve écologique WinFarm. Et dernier et institution qui était prise, c'est le jardin botanique des Cailles. Donc, c'est pratiquement 5 institutions et personnalités que nous avons tenu à valoriser pour travail qu'il a fait, initiative qu'il a pris. Là, on avance tout droit vers la fin. C'est le moment tout pour me présenter et encore une fois, remerciement à tous les partenaires qui permettent réalisation et activité ça, mais tout qui toujours supporté Haïti Climat. Donc, m'a parlé de Banj qui diffusait et qui assurait et toute manœuvre technique qui permettent que nous gagnions et live là, nous gagnions Focal qui toujours supporté Haïti Climat, qui supportait Acled depuis le début, l'ambassade de France en Haïti à travers le programme PISCA qui c'est un monde qui permet que nous gagnions et magazine Urgence Magazine. Et Fonds haïtien pour la biodiversité qui contribue tout à Urgence Magazine, Panos Caraïbes qui sont gros supporters des premiers jours qui pas jamais suspendent supporter nous. Groupe Novediste, et sans qui ne pas dit par exemple gagner Haïti Climat, non sens, parce que grâce à qui nous gagnons chronique dans Novediste, grâce à qui nous gagnons émission sur Magique 9 chaque jeudi, et Ticket qui permettent que nous sommes capables de toucher un plus large public, et puis sans compter, et tout l'autre partenaire nous qui était là avec nous dès le début. Et qui toujours des monde qui toujours répondent à différentes sollicitations. Là, moi, après annoncer Jeff Aizirom pour le capable et probablement clôturer et partie et débat avec Madame Pierre-Louis et Fares et Nodescal, c'est à nous pour nous et placer mot pour clôturer et débat avec Madame Pierre-Louis. Et puis après, ce sera le tour de Patrick Saint-Pré, coordonnateur général de Acled, pour le capable et placer mot de clôture de cette causerie. Merci Valérie, mon appel by Madame Kelly. Il y a une minute pour conclure l'intervention et puis conclure le débat qu'elle a lancé.
Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est remerciement hein, pour moi. Dit. D'abord, je salue en pile et travail qu'on a fait. Je pense que c'est extrêmement important pour nous, pour PIA, pour Genio, pour secteur, pour tout le monde qui est intéressé à PIA et qui t'a aimé ouais, que PIA prend l'autre chemin. Je félicite nous tous pour le magazine là, que m'attend pour me lire. Parce que c'est un domaine qui intéresse mon pile et me penser que nous entreprendre là un travail qui est nécessaire et que nous devons continuer m'espérer que nous avons toujours joué un appui que nous gagnons et peut-être davantage pour que travail ça disséminer le plus possible et que commencer vraiment avoir conscience de nécessité comprendre question environnementale, changement climatique, comment il affecte nous et comment pour nous préparer nous. Et puis moi-même, vous avez noté mon parti pris. Moi, pensais que il n'est plus que temps que des investissements réels, sérieux sur le long terme, capables de faire dans le domaine développement économique, agriculture dans le pays ça. Et ce ne sera que justice. Voilà. Merci beaucoup. À vous tous, à Valérie, à Patrick, au docteur Nulesca, à vous, monsieur Jérôme, pour vos questions, vos interventions et naturellement au public qui nous a suivis, qui nous a écoutés et qui s'est intéressé à ces problématiques. Merci encore. Merci, madame Pierre-Louis. Et virtuellement, nous battons gros bravo pour vous pour tenter de préparer l'intervention là, pour disponibilité. Et nous comprenons avec conférence virtuelle, pas mal de moins travail que conférence en présentiel. On est là avec nous, pas ouais. Et souci technique pour réussir conférence là, disponibilité pour gagner, pour faire test, ça va dans plus de temps. Et nous disons merci, nous souhaitons que le public là a été enrichi et été tiré de l'intervention là, qui nous va laisser diffuser au maximum pour que nous gagnions accès à elle. Merci encore et jusqu'à l'heure. Merci beaucoup, Madame Pierre-Louis, pour l'intervention là et surtout pour partager, l'expérience avec nous. L'État, ben, il ne va pas marcher parce que l'État est compliqué. Si vous-même qui êtes dans un niveau côté niveau Premier ministre et puis vous avez tout blocage d'ailleurs, c'est-à-dire que et que vous pas faire grand chose parce que le système dans les monter en ce sens. Donc, il est très difficile. Donc, c'est un gros travail qui vous fait, qui vous sortit dans le salon hier. Donc, merci un peu, Mme Pierre-Louis, pour toute intervention et toute question et public là, et toute discussion et que nous avons fait ensemble aujourd'hui hein, dans le cadre du lancement du deuxième numéro et du Juste Magazine. Merci un peu. Patrick. Merci beaucoup. Mais mon remerciement est à l'endroit de Mme Bialy, comme l'a dit Fares, qui s'est mis disponible pour nous, pour le public, pour capable de faire une belle présentation. Ça. Et j'en profite pour dire que pour les gens qui n'ont pas de chance de suivre en live, donc, le podcast de cette présentation sera disponible sur tous nos réseaux. Et ensuite, je viens d'avoir. L'autorisation pour que ça soit diffusé sur Télévin. Donc, autant de possibilités pour continuer la réflexion, pour continuer avec cette présentation. Et aussi, les lecteurs de Nouvelis aussi pourront lire. Donc, c'est ça aussi qui fait la force de Haïti Climat, c'est cette diversité, cette multiplicité de canaux que nous avons pour arriver chez vous. Et aussi, Urgence Magazine sera disponible. Voilà. Donc, tout à l'heure, bon, la circonstance l'obligeait, ma présentation se résumait, mon intervention se résumait sur Urgence Magazine. Mais j'en profite pour ces mots de la fin pour rappeler un peu le cheminement de ACLED depuis sa fondation et pour voir aussi l'enchaînement qu'il y a dans nos différentes interventions. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons reçu un financement en 2016 pour financer à notre tour des reportages, une quinzaine.
Et nous avons tout de suite vu la nécessité de créer un réseau de journalistes environnementaux à travers le pays. Donc, vous allez le constater en lisant Urgence Magazine, en feuilletant Urgence Magazine, et nous avons une diversité, que ce soit dans le choix des textes et aussi les textes proviennent des journalistes de notre réseau éparpillés un peu partout à travers le pays. Fares l'a signalé, par exemple, nous avons des reportages sur les Gonaïves, nous avons des reportages sur le Sud, un reportage dans le Nord-Est. Donc, c'est pour un peu déconcentrer, c'est pour un peu prendre le contre-pied de cette, je dirais, pratique qui a tendance à résumer tout à la République de Port-au-Prince. Donc, nous avons bel et bien un réseau de journalistes environnementaux qui existe à travers le pays et qui contribue à enrichir nos différentes plateformes, à diversifier nos contenus, à prendre les préoccupations qu'il y a un peu partout à travers le pays et non cette concentration généralisée. Donc, en 2016, nous avons lancé le premier numéro, un peu à la cloche de bois, si je puis dire, puisque nous étions en édition limitée. En 2018, eh bien, voyant que nous avons tout ce contenu et que, comme je le dis souvent, nos médias ne sont pas encore assez sensibilisés pour qu'il y ait beaucoup plus d'espace dans la diffusion et dans la diffusion des informations relatives à l'environnement et au changement climatique, sinon de manière, je dirais, intempestive lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Donc, nous sommes dit, pourquoi ne pas créer notre propre média, notre propre plateforme? Internet aidant, et avec le support du groupe Novelis, nous avons lancé Haïti Climat en 2018, et Foka nous a aidé à porter ce projet, ce bébé sur les fonds baptismaux, puisque Haïti Climat, comme il est décliné, donc c'est tout l'appareillage, je dirais, numérique, et un site web, les réseaux sociaux, et aussi une chronique dans le Novelis, une émission sur Magic 9, pour permettre de toucher beaucoup plus de gens que possible. Fidèle à notre mission de mettre l'accent sur et de mettre en lumière les initiatives locales, les bonnes pratiques environnementales, nous avons institué en décembre 2020 le prix de la médaille verte. Est-ce que nous avons campé là? Non, nous n'avons pas campé puisque les idées fourmillent dans notre tête, donc nous avons beaucoup à faire et nous gagnons en pile l'idée, donc c'est sûr que nous ne pouvons pas camper là, il y aura d'autres initiatives, il y aura d'autres inventions de notre part. Tout ce que vous aurez à faire, c'est rester branché, continuer de suivre nous, parce que nous ne pouvons pas camper. Voilà, en gros, le mot de la fin pour ce vendredi 25 juin 2021, à l'occasion du lancement du deuxième numéro du Urgence Magazine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Patrick, et pour vraiment clôturer tout ça, m'a dit un go merci à Duverso de Bange qui vraiment assuré tout et suivi avec nous, qui accompagne nous, qui ba nous tout support possible, et certainement Marc Alain Bossico qui qui te répond nous des premières sollicitations pour te accompagner nous pour diffusion causerie ça. Donc merci à tous nos partenaires, merci, bye bye tout le monde, à bientôt, ciao, merci, au revoir.